Depuis le 1er janvier, 460 maisons France Service ont ouvert leurs portes, des structures pour compenser la disparition des services publics en milieu rural et la fracture numérique. Elles regroupent différents organismes. Quatre de ces maisons France Service ont été déployées en Ariège. À Tarascon, Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Payer ses impôts, renouveler son permis ou, dans le cas présent, son titre de séjour. Pour chacune de ces démarches, cette habitante vient trouver de l'aide dans cette maison de service au public. Vous allez mettre votre date en France et du coup, il faut mettre le numéro de passeport actuel. Oui. Ces maisons, qui regroupent plusieurs opérateurs, sont indispensables pour les habitants qui ne sont pas toujours équipés. Je n'ai pas de photocopieuse, etc. Donc, je ne peux pas tout faire à la maison. Au 1er janvier, cette structure a été labellisée Maison France Service. Conséquence, elle réunit désormais 9 organismes partenaires contre 4 précédemment. Ces opérateurs sont la Poste, la CPAM, la CARSAT, le Pôle emploi, la CAF, la DGFIP et le CDAD 09. Pour obtenir le label France Service, la structure a aussi dû investir et se réorganiser pour répondre au cahier des charges imposé par l'État. Donc maintenant, nous ouvrons 5 jours donc, sur une plage de 24 heures par semaine. Donc la formation des 2 agents qui ont donc suivi une formation de 2 fois 3 jours auprès de l'État et des opérateurs. Et en fait, des investissements puisqu'on a aménagé un espace de confidentialité avec une webconférence notamment. En Ariège, 4 maisons France Service ont été déployées à Tarascon, Mirepoix, Saint-Giron et Aix-les-Thermes. Et d'autres devraient suivre. Le chef de l'État a demandé une maison France Service par canton. Au minimum, mais dans nos discussions avec les élus, il pourrait y en avoir plus, notamment sur les bassins de vie. Et ça pourrait aussi avoir d'autres formes qu'une maison fixe. Il peut y avoir des services itinérants par bus ou par des permanences qui soient sur les territoires. La préfecture prévoit déjà de nouvelles labellisations dès le mois de juin, mais aussi à la fin de l'année 2020.